Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la nouvelle C3. Donc elle fait partie du paysage français, la C3, tout le monde connaît quelqu'un qui a une C3, on en a tous vu et ça c'est le nouveau modèle. Donc ça va être comme d'habitude un best-seller, on va voir ensemble ce qu'il y a de nouveau et faire le tour de l'extérieur, de l'intérieur, faire un tour sur route et à la fin je vais vous donner mon avis sur cette voiture. Voilà, bah c'est parti pour l'essai, on commence par l'extérieur. Bon, on est tombé sur une autre C3, garée sur ce parking. Donc là, vous pouvez voir rapidement les différences, en tout cas déjà par rapport à l'avant de cette voiture. Bon alors, comme vous pouvez le voir, on a cette nouvelle face avant. Donc avec, à l'époque, on avait ces lignes ici qui allaient se finir les deux à cet endroit-là sur le phare. Donc on garde à peu près le même feu de jour ici avec cela, mais on a du full LED sauf pour l'ampoule du clignotant. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Sur la clé, j'ai un petit bouton qui me permet d'allumer les feux, donc les feux de jour plus les feux. Ça permet de nuit de retrouver facilement son véhicule. Ça c'est un petit truc que j'aime bien chez Peugeot et Citroën. Donc sur cet avant, comme on peut le voir, on a donc maintenant ces lignes comme sur la C4 également, qu'on a essayé sur la chaîne il y a quelques jours, qui redescendent et qui forment cette forme de X avec des petits rappels très sympas ici. C'est plein de petits détails, mais qui font que ça ajoute du caractère à cette voiture. Au niveau du capot, alors c'est rare qu'on n'ait pas de ligne dessinée sur le capot. Là, on a un capot vraiment très simple. Moi, je trouve que ça lui va bien. Le petit rappel Citroën ici, donc qu'on a toujours, comme sur toutes les voitures de la marque. Et ensuite, en bas, on a nos petits anti-brouillards ici, donc qui sont des ampoules aussi, pas du LED à cet endroit-là. Et on a des petites couleurs ici qu'on appellera émeraude chez Citroën. Donc on peut personnaliser ces petites touches un petit peu partout. Donc ici, on peut avoir sur le toit, sur les coques de rétro, sur les airbums, sur les côtés. Je vais vous montrer tout ça. On a le choix de plusieurs couleurs, soit en rouge, soit en noir, soit en blanc, soit émeraude, soit couleur de la carrosserie. Au niveau des couleurs de la carrosserie, on aura le choix entre 7 teintes différentes et on aura le choix entre 4 couleurs différentes pour ces petites touches un petit peu partout sur la voiture. Ça vous laisse quand même pas mal de combinaisons différentes et à l'intérieur, on aura le choix entre plusieurs couleurs aussi pour les sièges. Sur l'avant, ensuite, là, sur cette grille, elle conserve à peu près les mêmes lignes que l'ancienne, donc toujours avec ses ronds, avec une petite barre qui est au milieu, ce qui est plutôt sympa. La plaque à cet endroit-là, entourée par deux capteurs de position, avec ici aussi, et ici, donc cette partie du pare-choc. Donc là, on a du plastique, et en dessous, une sorte de lame en plastique un peu moins dur, genre comme si c'était un caoutchouc très très dur, donc qui permet d'éviter d'abîmer directement cette partie-là. Ça aussi, c'est pas mal. Donc, pour vous faire une petite comparaison, de suite, en vrai visuel, ça c'est l'avant de la nouvelle, et ça c'est l'avant de l'ancienne. Donc, comme on peut le voir, c'est surtout à cet endroit-là qu'on a des gros changements. Sinon, le reste, visuellement, c'est à peu près pareil. Sur le côté, pas de grosse révolution. On a toujours cette forme reconnaissable de la C3. Donc, ces petites touches, comme je vous disais, donc couleur émeraude. On a les montants ici, qui sont entourés d'un sticker noir, donc qui donne un peu plus de caractère à la voiture aussi. Et donc avec ce biton, donc avec la couleur blanche ici, et cette couleur émeraude, donc avec le rappel ici, rétro, le bump ici, qui donne un air plutôt sympa. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, donc l'air bump, c'est pour éviter les coups de portière sur la voiture. Donc si on le voit, ça ressort un petit peu plus à cet endroit-là. On peut les enlever aussi, c'est gratuit si vous ne le voulez pas, c'est gratuit si vous le voulez. Petit rappel donc de ces bouts plastiques ici, c'est ce bas de caisse ici en plastique, comme les arches de roue. Donc comme on peut le voir, ça fait vraiment le tour de la caisse, ça détourne bien la voiture. Ça lui donne aussi son caractère fort et avoir des mix de couleurs comme ça, ça donne aussi de plus en plus de caractère à une voiture. Pendant qu'on est sur le côté, je vais vous donner les dimensions. Donc en longueur, on a 3,99 m, à 1 cm près, on était à 4 mètres, mais comme ça, on est sous les 4 mètres. 1,75 m de large pour 1,49 m de haut, juste ici. Au niveau du poids, on est à 1100 kg environ. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la version la plus petite motorisation fera en dessous des 1000 kg. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Au niveau du tarif de cette voiture, on commencera à partir de 15 300 €, ce qui est plutôt correct. Et pour une version donc full option, celle-ci, elle est quasiment full up. On peut avoir un petit peu au-dessus. On sera sur un prix affiché de 24 500 €. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut toujours avoir une reprise d'un ancien véhicule ou toujours avoir une petite négociation légère avec son concessionnaire. Donc, on sera un petit peu en dessous des 24 000 € sur cette voiture pour une full option, ce qui est quand même plutôt pas mal de nos jours. Niveau accès pour ouvrir le capot avant, c'est juste à côté de la porte, c'est le plus pratique que j'ai vu de ma vie.
Sous le capot, aujourd'hui, on retrouvera l'essence 110 chevaux. Donc, on a un 3 cylindres 1 litre 2 qui existera aussi en 3 cylindres 1 litre 2 83 chevaux. On aura le choix, donc soit le 83 chevaux avec une boîte 5 vitesses, soit la boîte de vitesse d'aujourd'hui avec 6 rapports. On pourra opter aussi pour une boîte mécanique. On aura aussi un diesel 1 litre 5 100 chevaux avec une boîte 6 également. Au niveau des consommations de ce moteur, alors en ayant fait vraiment un mix d'autoroute, de ville, nationale, beaucoup de bouchons hier et pas mal ce matin aussi, je fais une moyenne de 5,8 litres, ce qui est plutôt correct. Sinon, j'étais plus aux alentours des 5,2 litres, 5,3 litres sans être en ville et sans les bouchons, donc en faisant un petit peu d'autoroute nationale et autres. On pourra facilement être à ce que le constructeur annonce aux alentours entre 5 et 5,5 litres si vous ne faites pas énormément de bouchons. Et dans le réservoir d'essence, on pourra y mettre jusqu'à 45 litres. Donc ça, c'est la nouvelle de côté. Donc pas énormément de changements. Je vous montre l'ancienne. Et ça, c'est l'ancienne. Donc franchement, sur le côté, quasiment aucun changement. Au niveau des jantes, on pourra aller des jantes tôle en 15 pouces jusqu'à ces jantes en 17 pouces qu'on a aujourd'hui. Et à l'arrière, donc on retrouvera l'arrière comme la version précédente. Donc là, j'ai pas noté de changement. Donc on a toujours le troisième feu stop. Tout là-haut, on a cette petite antenne. Alors, je vous avoue que l'antenne, j'aurais bien aimé une petite antenne requin ou une petite antenne un petit peu plus jolie. Au niveau du toit, on voit qu'il y a quand même un travail qui a été fait sur le toit. Ça, c'est assez rare aussi pour le noter. Donc, on a une sorte de grand rond qui pourrait être personnalisé aussi. Sur l'arrière, donc, le logo Citroën, donc avec les gros chevrons comme ça qui sont maintenant beaucoup plus arrondis qu'à l'époque. Le petit rappel que vous avez une C3 ici. À l'arrière, gros pare-choc en plastique avec les radars de recul. Et là, j'ai ma petite caméra juste ici pour les manœuvres. Ça, c'est quand même bien pratique. Le coffre, hop. À l'intérieur, on a quand même pas mal de place. Alors, il est assez creusé. Et regardez, hop. Je rentre dedans, comme d'habitude. Qui va deviner combien il y a de litres ici? Regardez, hop. Je peux rentrer assez facilement. Bon, devinette. 300 litres. 300 litres et surtout, on a en dessous, juste ici, une vraie roue de secours avec son cric facile d'accès. Ça, c'est un gros plus, surtout pour les gens qui achètent ce genre de voiture. C'est principalement un critère d'avoir une vraie roue de secours. À l'arrière, on aura les banquettes rabattables en deux tiers de ce côté-là, un tiers de ce côté-là, avec les fixations Top Taser et les fixations ISOFIX sur les sièges arrière. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Je rentre assez facilement au niveau de la tête. Donc le siège à l'avant est réglé pour moi. Moi j'ai fait 1m80. Et alors, je me suis mis dans une position plutôt relaxe. Et au final, ce qui est très bien sur ces sièges, c'est qu'ils sont vraiment bien creusés à cet endroit-là au niveau des genoux. Donc même si je suis proche, eh bien j'ai de la place pour les genoux. Je ne vais pas toucher. Il me reste certes pas grand-chose, mais voilà, c'est correct. Ce que j'aime bien, c'est que les appuis-têtes ne sont pas énormes. J'ai une vue assez dégagée sur l'habitacle. Et franchement, je suis bien au niveau de la tête. Alors, si je me mets vraiment droit, voilà, j'ai juste quelques petits cheveux qui touchent là-haut. Mais au final, je suis plutôt bien. Les banquettes sont plutôt confortables. Elles amortissent assez bien mon petit popotin. J'ai un petit accoudoir de ce côté-là. Pas d'accoudoir de ce côté-là, bien sûr. Et au final, non, je suis vraiment pas mal installé. Au niveau des pieds, j'ai de la place sous les sièges. Je suis plutôt bien. Donc j'ai des portes en plastique, sauf avec un petit peu de tissu sur la couloir. J'ai mes vitres automatiques et un petit rangement ici. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'il est vraiment pas très très épais. Donc on pourra mettre une petite bouteille sur le fond. Petit porte-gobelet juste ici, qu'on peut accéder de cette façon. Soit ce sera pour les personnes à l'avant. La place du milieu, donc on a quand même un tunnel central ici, hop, qu'on enjambe plutôt facilement. Et là, donc pareil, je remonte ça. Et franchement, cette place est tout aussi confortable. Alors, ce qui est bien sur cette banquette, c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est en une seule partie. C'est juste des coutures ici qui différencient. Donc, on n'a pas, par exemple, une mousse différente sur les extrémités. Et ici, on aura la même mousse tout le long. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi. Et ça fait qu'on garde le même confort, peu importe où on soit installé sur les places. La ceinture pour la troisième personne est ici sur la banquette, ça aussi, c'est pas mal. Donc on peut rabattre en deux tiers, un tiers, hop, on rabat facilement. Donc on n'aura pas de plancher plat, mais fixation Top Taser ici, comme je disais. Et on remonte assez facilement. Donc fixation ISOFIX, Top Taser. À l'arrière, on a des petits rappels de la couleur émeraude qu'on a choisi sur les sièges.
c'est plutôt sympa. Alors, à l'avant. Tour de magie, j'ai enlevé la veste. Les magies du cinéma. Alors, ce que j'adore, première chose, c'est cette poignée ici. Ils ont vraiment travaillé quelque chose. Donc, ça fait comme si c'était une poignée en cuir. Alors, avec des renforts à l'intérieur. Mais je trouve ça vraiment très joli et agréable. Ça fait un peu moderne, un peu chic, un peu design. J'aime bien. C'est une petite touche de détail qui coûte pas si cher que ça aux marques. Mais qui fait la différence, vraiment. Alors, quand je rentre, donc comme vous voyez, je me suis installé vraiment confortablement, un petit peu en arrière. Je peux ici monter mon siège, le redescendre, régler l'inclinaison, l'avancer, etc. Sur celui-ci, je ne peux pas régler la hauteur du siège. Donc, avance, inclinaison. Moi, comme c'est moi qui conduis, j'ai le droit à mon petit accoudoir ici, donc qui est franchement bien rembourré, vraiment pas mal. Il tombe bien. On a la boîte de vitesse manuelle aujourd'hui, comme je disais, avec un frein à main. Voilà, franchement, je suis bien installé. Donc, je vais vous montrer directement, de mon point de vue, à quoi ressemble cet habitacle. Je suis vraiment bien, j'ai encore pas mal d'espace au niveau de la tête et je peux baisser et aller vraiment assez bas. Donc là, je peux faire au moins jusqu'à 2 mètres sans souci pour conduire cette voiture. Voici donc la poignée dont je vous ai parlé, donc cette fameuse belle poignée qui change. Regardez, ça fait quand même plus sympa que d'avoir toujours juste un creux en plastique ici. Bon. Donc sur la portière, on a cette partie plastique ici. Donc on n'a pas forcément des beaux plastiques moussés, mais c'est pas très grave. Ces designs, au moins, ils ont fait quelques efforts. La poignée d'ouverture de porte, hop, ainsi. Et donc j'ai la finition émeraude sur cette voiture. Donc avec à l'intérieur, cette partie bleue. Alors, c'est certes pas grand-chose, mais je trouve que ça rend vraiment plus joyeux l'intérieur. Je trouve ça vraiment sympa avec le petit rappel sur les rétros tout au bout. Et pareil, donc sur les sièges... Le petit rappel à cet endroit-là. Donc, c'est des petites touches un petit peu partout, mais qui personnalisent la voiture de façon très sympa. Voici le volant. Alors, je vais vous la démarrer. Donc, embrayage, pied sur le frein. Et voilà, quand elle démarre. On a ce volant ici, qui est bien, qui est assez épais. Donc, avec une jante de volant pas trop fine, pas trop épaisse. Le petit truc pour les pouces. Là, ici, on est bien, avec les surpiqûres à l'intérieur. Sur la gauche du volant, on a le volume pour la radio, la commande vocale, ça pour faire défiler les menus. Donc au fond, comme vous pouvez le voir, donc là une moyenne à 6 litres, puisque la voiture a tourné et au trop ralenti, et quelques informations sur le véhicule. Donc par exemple, là avec un petit peu moins du plein, la voiture indique 600 km, 660 km d'autonomie, donc on fera environ 700. Donc on a le compte tour à droite, donc avec des vraies aiguilles, et à gauche, les kilomètres-heure, donc pas d'écran complet, mais franchement, le design, je trouve qu'il va bien. Ça fait assez moderne, c'est pas tout dernier cri, mais pour moi, c'est suffisant. Avec un compteur qui indiquera la vitesse ici également en digital, pas d'affichage tête haute aujourd'hui ou autre, donc franchement, une voiture plutôt simple. À droite, ce sera pour la radio et décrocher au téléphone et changer de radio grâce à cette petite molette. Derrière, on a ici le régulateur et limiteur de vitesse, donc pas d'adaptatif sur cette voiture, c'est juste le régulateur et limiteur. Sur la gauche ici, on trouvera la hauteur des phares et le réglage des rétroviseurs avec, quand on clique, les rétroviseurs rabattables électriquement. Sur la gauche, bah, vous connaissez, hein, clignotant phare, on a bien sûr phare automatique et à droite, les essuie-glaces avec les essuie-glaces automatiques également. Donc dans les portes, pendant que je finis, donc on a des rangements qui sont assez grands ici. Donc on pourra mettre une bouteille façon allongée. Les pédales, elles ressemblent à ça. Donc là, on a vraiment bien de la place au pied gauche, donc pour reposer son pied à cet endroit-là. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, donc sur le tableau de bord là-haut, on a des enceintes et une grande partie totalement plane. Alors par contre, je trouve que ça reflète quand même pas mal. Ne mettez pas trop de vernis brillant ou de lustreur sur le plastique pour que ça brille, sinon ça va refléter assez sur le pare-brise. Au niveau du rétro, donc en rétro, hein, tout simple avec les gros bords encore, les lumières ici, hop, donc avec des touches, c'est encore un petit peu jaune, dommage, on aurait pu faire un peu plus blanc pour que ça fasse plus moderne. Les grilles d'aération donc sur les côtés, hop, qui sont plutôt jolies, qui vont bien avec la voiture, donc on en a 4 comme d'habitude. L'écran ici qui est tactile, alors je peux régler, donc ça c'est la ventilation, j'ai des raccourcis sur les côtés, donc soit la voiture, les applications, par exemple l'Android Auto, l'Apple CarPlay, le téléphone,
la musique, la navigation et la clim. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même vraiment réactif. On n'a pas grand-chose à lui dire. Quand vous voulez cliquer sur quelque chose, ça se fait assez rapidement. Si vous voulez avoir l'Android Auto, vous recliquez ici, vous recliquez sur Android Auto quand votre téléphone est connecté. En dessous, donc, on a le volume pour le son. D'ailleurs, le son, donc, on a les enceintes là, là, à l'arrière. Donc, on a 6 enceintes dans la voiture. Et franchement, le son avec la radio DAB est franchement de très bonne qualité. Ça, c'est pour dégivrer. Donc, vous connaissez l'avant, l'arrière, les warnings. Écoutez le bip bip. Donc, ça, c'est le bruit des warnings. Verrouiller, déverrouiller le véhicule. Ça, c'est pour démarrer la voiture. Donc, pied sur le frein et embrayage puisque c'est une boîte manuelle. Un petit rangement ici. Alors, je vous avoue que celui-là, il n'est pas forcément très pratique puisqu'il n'est pas vraiment incliné. J'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus incliné. Bon, on pourra quand même ranger quelques petites choses ici. En dessous, la prise 12 volts, hop, pour connecter ce que vous voulez. La prise USB, donc pour connecter votre téléphone, le recharger ou autre, ou connecter un Android Auto ou l'Apple CarPlay. Petit rangement avec double porte-gobelet, plus encore pas mal de profondeur à cet endroit-là. La boîte de vitesse ici, 6 rapports, qui est voilà, quand même plutôt agréable à manier. Donc comme vous pouvez le voir, hein, le débattement n'est pas trop grand. On a une bonne prise en main. Et donc voilà, un débattement plutôt bien. Pour la marche arrière, on tire, hop, à l'arrière et ça active la caméra de recul, donc qui est quand même vraiment grand angle. Ça, c'est bien. Et on a une bonne visibilité dessus. La qualité est plutôt pas mal. Ensuite, on a un vrai frein à main. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de vrai frein à main. Et à droite, là-bas, donc une boîte à gants. Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de place. Ça ne revient pas trop vers le passager, le tableau de bord. Donc le passager a un bon espace pour lui. La boîte à gants, juste ici, qui est toujours assez profonde sur ces voitures. Et voilà à quoi ressemble la portière directement. Le siège, donc on a ces beaux sièges. Alors ce qui est très bien, c'est que j'aime bien cette texture tissu, puisqu'elle ne va pas trop déraper. Donc limite, chez Citroën, je conseillerais plus ces sièges-là que ceux en cuir, parce qu'on a un meilleur confort et en plus, ils ne glissent pas du tout. Donc on a un meilleur maintien dans les virages. Et voilà à quoi il ressemble en entier. Bon, ben, je crois qu'il est venu l'heure de faire un petit tour avec cette voiture pour l'essayer. Alors, c'est parti pour notre petit tour avec cette Citroën C3. Ceinture, hop. Pied sur le frein, pied sur l'embrayage. J'appuie sur mon petit bouton juste ici et ça démarre. Alors, hop, je vais commencer par une petite marche arrière. Donc, j'ai ma caméra de recul. Ah, j'ai oublié le frein à main. Hop. Donc, au niveau du rayon de braquage, on a 10 mètres environ. Donc, regardez, je vais vous montrer juste ici, donc sur un petit parking, ce que ça donne. Alors, 10 mètres et quelques, ouais, c'est un petit peu juste. On aurait pu faire peut-être un petit poil mieux là-dessus. J'aurais bien aimé un rayon de braquage, voilà. Un petit poil mieux. Bon. En tout cas, la direction, elle, est très agréable à manier. On a donc ce volant avec un petit méplat en bas. Donc ça, c'est pratique pour s'installer à bord. Et on a une boîte de vitesse qui est franchement plutôt agréable à manier également. Donc, nous voici partis. Au tableau de bord, j'ai l'indication pour consommer le moins possible qui m'indique depuis un long temps qu'en changer les rapports et autres. On peut rouler assez bas, en dessous des 2000 tours, quasiment tout le temps, ce qui est conseillé hein, par la voiture pour pouvoir faire des économies d'essence. Regardez, là, on a un bus qui va passer à côté de nous. Écoutez. Et bien, je trouve que c'est quand même franchement pas mal insonorisé. J'ai fait une vidéo POV, donc point of view avec la caméra sur ma tête, pour vous montrer ce que ça donne quand ça conduit. N'hésitez pas à les regarder. Sur autoroute et autres, eh bien franchement, j'ai été énormément surpris de comment la voiture est insonorisée. On ne croirait pas ça sur une C3. Et franchement, j'ai été bluffé. Même dans les tunnels et autres, eh bien, on est dans sa bulle. Donc là, on est sur une route un peu dégradée. Eh bien franchement, les suspensions font bien leur travail. C'est pas la plus confortable de toutes les Citroën. Je la trouve plutôt agréable. Ce qui est bien, c'est qu'elle est plus réactive que beaucoup des plus grosses. Donc, hop, quand j'emmène la voiture, voilà, elle bouge un peu plus facilement. Alors, elle tangue quand même un petit peu au début, puisque bah, la voiture se veut confortable. Et sur un Dodan,
eh bien franchement, même à cette vitesse, eh bien c'est plutôt agréable. Regardez, là il y en a un autre de Dan. Franchement, ça passe ça sans souci. Donc, au niveau des relances, 110 chevaux, ça relance franchement suffisamment. Donc, la petite chose que je vous disais tout à l'heure, c'est ce pare-brise qui reflète énormément. Donc, moi, avec ma position, j'ai vraiment, en fait, tout le tableau de bord qui reflète sur le pare-brise. Là, il y a énormément de soleil. Je vous avoue que c'est peut-être un petit peu gênant. Peut-être qu'avec des lunettes de soleil polarisées, ça pourrait enlever cet effet-là. Donc, hop, là, je me mets en quatrième à 60. Je suis sous les 2000 tours. Donc, on va sortir de la ville. Donc, je vais l'amener à 70. À 70 km/h. Donc, je peux mettre le régulateur de vitesse. Donc, j'ai le régulateur ou limiteur. Et à 70, franchement, c'est super confortable. On peut avoir aussi la lecture des panneaux, donc il me dit que là c'était 80 par exemple. Et on peut afficher donc sur même pour pouvoir avoir la voiture qui se règle automatiquement sur la vitesse des panneaux. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors au niveau de la clim, donc tout se passe ici. Donc il n'y a plus de touche physique, il faut forcément rentrer dans le menu. Alors ça c'est pas quelque chose dont je suis forcément fan puisque ça détourne un petit peu le regard. Alors au début on va mettre un petit peu de temps, après on s'y habitue, on sait où c'est. Mais voilà, donc on règle tout, la température, les positions, des ventilations, etc. grâce à l'écran. En ville, donc là on repasse en ville. La voiture est facile à emmener. Franchement, pas grand chose à lui dire. C'est une voiture qui est faite pour ça. Hein. La ville, les villages et faire un petit peu tout, même sur autoroute. On va aller voir ça juste après. Mais elle se débrouille vraiment bien partout, sa petite voiture. Alors là, on arrive à mon rond-point, test tenue de route. Donc, on va prendre un petit peu de rythme et on va voir ce que ça donne. Alors, hop, donc les sièges. Alors, je suis pas forcément très bien maintenu au niveau latéral à cet endroit-là. Niveau tenue de route, on est pas mal. Franchement, la voiture tient bien la route. La direction est assez précise. Je l'emmène à peu près où je veux. Même en virage, si je veux jouer un petit peu, eh bien, voilà. Donc, on a la voiture qui tangra un petit peu. Mais au final, c'est plutôt pas mal. Donc, hop, là, je vais me faire le changement d'appui. Et ben, franchement, ça y va, franchement, correctement. Donc, la voiture ne décroche pas. Elle est plutôt saine. Donc, sous la pluie, on verra, ce sera sûrement autre chose. Bon, pour une fois qu'il pleut pas et qu'il fait beau, on va en profiter. En tout cas, la voiture plutôt saine. Elle prend du roulis quand même un petit peu. Donc, ça veut dire qu'elle va se tasser un petit peu sur les suspensions et les sièges. Donc comme je disais, c'est vraiment pas une voiture faite pour prendre des virages rapidement, parce que vous allez facilement être emporté eh bien sur les côtés, puisque regardez, il n'y a quand même pas énormément de maintien, moi je flotte pas mal dedans. Au niveau du freinage, là on a eu un freinage assez fort, on a une pédale plutôt progressive, ce qui est pas mal, avec quand même un bon mordant, comme c'est une voiture qui est légère, qui fait à peine 1,1 tonne. Donc comme je disais, on a des sièges dans lesquels on va se balader assez. Ce qui est bien, par contre, l'avantage d'avoir des sièges assez ouverts comme ça, c'est si vous êtes de forte corpulence, plus de 100 kg, eh bien vous pourrez rentrer facilement. Vous ne serez pas contraint à l'intérieur. Par contre, quand vous êtes un peu plus fin, eh bien vous allez vous balader un petit peu plus. Bon, si vous conduisez de façon totalement normale, eh bien on sera comme dans son canapé, on sera bien. Alors, là, tout petit rond-point. Allez, on va se le prendre de manière vraiment sportive. Hop. Franchement, on a quand même une super bonne tenue de route. Hein. Donc même quand je l'emmène, un poil de sous-virage, mais sinon ça y va. Et pour les relances, voilà. Si vous êtes un petit peu pressé, ça fera quand même très très bien le job. Donc, comme on a le moteur à l'avant, c'est normal d'avoir un petit peu de sous-virage. Mais la voiture s'emmène quand même facilement. Et surtout, elle n'est pas piégeuse. Donc même là, par exemple, hop. Et voilà. Allez, niveau relance, pour aller s'insérer sur l'autoroute, on peut quand même relancer assez facilement. Bonne tenue de route en virage, comme je disais. Et là, je vais aller m'insérer. Donc hop, je vais essayer de passer devant le camion. Et voilà, je suis déjà à 90, sans souci. Alors, le bip 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 que vous avez entendu, ça, c'est une option. Donc on a
et que j'aime vraiment beaucoup chez Peugeot et Citroën, c'est pour vous prévenir des radars. Donc il y a un abonnement Coyote qui vous prévient des radars. Ça c'est quand même top, puisque de nos jours il y en a tellement que c'est bien d'avoir des petites préventions comme ça. Alors, en se mettant à 90 km/h au régulateur en 6e, eh bien c'est quand même vraiment confortable. Le régulateur, moi, c'est vraiment une chose que j'affectionne particulièrement. Donc on a un petit peu de bruit de roulement, vraiment pas de bruit du vent autour de l'habitacle. Comme je disais, la voiture est quand même plutôt bien insonorisée. Alors on entendra un petit peu les voitures qui passent sur le côté tout de même, mais je m'attendais à moins bien que ça. Au final, moi ça me convient bien. Donc à 90 km/h, là j'ai remis à 0 et je fais une moyenne de 4 litres au 100, ce qui est franchement plutôt honorable. Ça c'est pour me dire que la zone de radar était finie, il y avait une zone de radar là, et hop, il a rebipé puisqu'il y a encore une zone de radar juste en face. Allez, je suis en 6e, donc je vais aller me mettre de 90 à 110, ça relance suffisamment pour ne pas avoir à tomber un rapport, et hop, voilà, je suis à 110 km/h. Donc la relance est suffisante, donc là je suis tout seul dans la voiture, 90-110, ça se fait assez bien, même en 6e rapport. À 110 km/h, on entend donc à présent un petit peu plus de bruit de roulement, qui reste tout de même toujours très contenu je trouve, et on commence à entendre légèrement quelques petits bruits du vent, alors ce qui est tout à fait normal, on roule quand même à 110 km/h. Imaginez-vous la tête dehors, ça souffle un petit peu. Et voilà, on a passé le radar. Bon, allez, on va faire un petit test à 130, donc pareil, je reste en 6e pour pouvoir relancer jusqu'à 130 km/h. Et ça relance vraiment pas mal. Et arrivé à 130 km/h, donc c'est comme 110, sauf qu'on a un poil plus de bruit du vent. Et au niveau du moteur, on est un petit peu plus de 2500 tours minute. Bon alors, là on est sur une route où il n'y a personne. On va se faire un petit test d'accélération. Donc on est en boîte manuelle. Allez, on va se faire un petit 0 à 100. Donc ça pousse quand même plutôt pas mal. Ça reprend bien. Voilà, donc en y allant sportivement, hop, on est arrivé à 100. C'est quand même plutôt bien. Et donc, on va se faire un très gros freinage. Allez, hop, c'est parti. Allez, très gros freinage. Waouh ! Ah ouais, par contre, au niveau du freinage, la voiture freine très bien. Là, il n'y a aucun souci. Comme c'est une voiture légère, ça aussi, ça va énormément jouer bien dans les conditions de freinage. Là, je me suis dit, je vais me faire un petit itinéraire en restant à 90 tout le long. Et j'ai une moyenne de 3,6 litres, 3,7 litres. Ça varie un petit peu selon si c'est plat, si ça monte un petit peu. Mais voilà. Sur 20 km, entre 3,6 litres et 3,7 litres, sur une zone vraiment quasiment plane. Donc, je trouve ça vraiment pas déconnant. C'est pas du tout une hybride ou quoi que ce soit. Donc, à vitesse stabilisée 90-80 km/h, vous serez facilement en dessous des 4 litres au 100. Alors, s'il n'y a pas énormément de relance ou s'il n'y a pas énormément de montée et descente, je trouve ça vraiment correct. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut en penser de cette C3 ? Concrètement, comparé à l'ancienne, c'est surtout un renouvellement un petit peu du design extérieur qui a changé, surtout sur la face avant, qu'on verra. À l'intérieur, pas forcément de grosses évolutions. Une voiture, toujours donc avec ses trois motorisations différentes et ses boîtes de vitesse, donc soit en automatique, soit en boîte manuelle, 5 ou 6 vitesses. On a une voiture qui est franchement agréable au quotidien, qui est facile d'utilisation, qui se manie plutôt bien, qui reste confortable, alors pas autant qu'une C4 ou qu'une C5. On a une petite voiture qu'on peut utiliser en citadine ou qu'on peut utiliser à la campagne. À la campagne, on fera franchement des économies d'essence puisque c'est un petit moteur sobre. On sera facilement en dessous des 5 litres sur des routes à 80. On a la boîte 6 qui est plutôt efficace, facile à manier. En ville, on sera aux alentours des 6 litres au 100, ce qui n'est pas déconnant non plus. Je trouve ça plutôt bien. On a une voiture assez spacieuse. À l'arrière, on est plutôt pas mal grâce à ces sièges qui sont bien creusés, même si on est des personnes assez grandes. Si on est une petite famille, eh bien, ce ne sera pas gênant. Au niveau du confort et autres, la maniabilité, pour moi, c'est une bonne voiture. Voilà, avec des tarifs plutôt abordables à partir de 15 000 euros, c'est correct. Donc, on n'aura pas forcément toutes les options qu'on a eues aujourd'hui. Ou sinon, un peu plus de 24 000 euros pour une version toute option. Je trouve ça vraiment pas mal. Le look dans ce bleu émeraude avec ce blanc, je trouve que ça ressort quand même vraiment pas mal. J'ai bien aimé.
On peut avoir la possibilité sur du rouge, sur du noir, avec des tons un petit peu sablés, du gris. On peut avoir une version toute blanche si vous voulez. Le toit, on n'est pas forcément d'avoir ces petites touches de couleur tout autour. On peut avoir une version beaucoup plus simple. Mais j'aime bien qu'il y ait un petit peu de touches de couleur, un petit peu de peps. Ça rend la vie quand même beaucoup plus joyeuse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet essai. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça si vous avez aimé, à mettre vos questions en commentaire si vous en avez, des suggestions d'essais que vous voulez voir sur la chaîne. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao !